Au cœur de la ville de Château-Renaud coule une rivière, la Brenne, et son principal affluent, le Gau. Deux cours d'eau auparavant enfermés dans une gangue de béton et marqués par la pollution de leurs eaux, notamment en raison des stigmates de l'industrie du tannage. Mais ça, c'était avant les grands travaux de libération de ces milieux naturels. Ici, nous avions un plan d'eau. S'imaginer que l'eau était à peu près 2 mètres au-dessus de nous. Eau stagnante, très peu de courant. Donc le but, ça a été de retaluter ces berges pour réouvrir les pentes et redynamiser la rivière, comme on voit ici, avec des zones un petit peu plus courantes. L'avantage de ces secteurs, c'est que justement, on arrive à refaire circuler l'eau à l'intérieur de bancs de galets, ce qu'il n'y avait plus quand on avait le plan d'eau. Et ça, ça a créé une auto-épuration, une épuration naturelle du cours d'eau. On a donc redonné place à la nature et amélioré la qualité de l'eau, comme sur cet autre chantier mené sur le Gau, où même la vie sociale s'en est trouvée changée. Les habitants se sont réappropriés leur cœur de ville. Il y avait déjà une partie de coulée verte aménagée il y a déjà quelques décennies, un petit peu plus en amont. Et ça, ça a permis d'avoir un prolongement cohérent avec la partie existante. Donc pour les gens, ça permet vraiment de naviguer sur presque toute la ville, sur le Gau. Plus de 750 000 euros ont été investis dans ces travaux avec des aides de l'Agence de l'eau, du Conseil régional et du département. Une transformation loin d'être achevée puisque des actions du même type sont à l'étude sur d'autres secteurs de la ville. Des chantiers qui seront complétés par des accompagnements d'exploitations agricoles environnantes afin que la baisse d'utilisation des pesticides consolide durablement la ressource locale en eau potable.